Là donc, je vous explique, chers futurs contributeurs, que nous sommes en train de faire des essais d'objectifs de marques différentes pour voir si ensuite à l'étalonnage, et bien que l'on filmera en 6K RAW, si on n'a pas des soucis de piqué d'image différents, et voir si on pourra passer sans problème d'un objectif à l'autre. C'est un peu l'interrogation. Un zoom ou pas? Oui, si tu Non, veux, c'est oui, vous. D'accord. on va tester le zoom, oui, tout à fait. 29, donc Oui, voilà. Donc on est sur 25, 65, 25. On aurait dû le dire, tiens. Bon. Est-ce qu'on pourra le noter sur un papier, l'ordre? Parce que zoom, moi, je vais pas savoir autrement. Zoom, c'est un... Ah, on y va? Puis, ben, là, voilà. Là tu es quand même en manuel. Là, là je suis voilà. Toujours en manuel. Oui, ouais, okay. C'est quand, toujours. C'est quand même un gros caillou, celui-là. Oui. Et c'est sombre quand même, donc c'est quand il est même, ultra sombre. C'est vachement fermé. Là. Donc là, c'est un 20 mm, millimètre à sigma. 1,8, ouvert à 1,8. Donc, et là, c'est bon, tu peux varier l'ouverture. Tout à fait, à la bague, ça marche. À la bague. Exactement. Là, tu vois, je peux, directement, manuellement. D'accord, super. Oui, parce qu'en auto, forcément, il cherche toujours à faire ce qu'il croit être le meilleur. Ouais, c'est ça, voilà. Mais le meilleur pour lui, c'est pas le meilleur pour toi. Donc c'est à 20, on n'a pas dit que c'était 20 mm, je crois, on n'a pas dit. Alors là, on monte quoi, là? 14, là c'est 14. 14 mm. 14. Par un 6, ça nous fait un quoi? Un 25? 14, 5 millions. Oui, c'est bon, on est bon. Okay. Mais là, dans ce cas-là, l'information d'ouverture, voilà, tu ne l'as pas. Tu ne l'as jamais. Tu ne l'as pas, oui. Parce que, là, puisque c'est... Oui, bah oui, la bague est en plus, elle est en dessous. En plus, elle est ah en oui, dessous. D'accord. Là, donc là, on est à 2,8. D'accord, ok. Ah, non, on y va. Attends, je fais la mise de son. Oui, j'ouvre maxi. Ouais. On ne sent pas. D'accord, ouais. On a testé le 14. Ici, et celui-là, c'est... Mais non, il n'est pas si court que ça, c'est un 35. D'accord. Et celui-là, il n'a pas de bague de diaph. Ah, d'accord. Il est plus récent. Ok. Ce qui 35, fait qu'on aurait 4 objectifs. Ouais, okay. C'est ça. Le 14, le 14, 20. Le 20. Après le 25 voilà. À corriger. Voilà. Alors le 25, oui, le remarque, visuel, oui, quoi. Sont corrigés. Après, de toute façon, le macro, 25 c'est et 75. Oui. Alors le macro, dans ce cas-là, je veux bien, c'est qu'on essaie de faire sur un papier, ah oui, un papier machine, et puis ah oui. on tape à la machine pour voir ce que ça donne. Ouais. Non. D'accord. Voilà, toi t'as le 14. Parce que moi j'ai 14 et 20. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Ok. On verra. Si on peut couvrir un maximum de focale, on aura tout. Ce sera autant de choix, qu'on aura à la prise de vue, quoi. Sur Internet, les mecs, pièces. Ah, j'aurais besoin, oui, à un moment donné, j'aurais besoin de grand angle dans la petite pièce, forcément. Ouais. Ah, bah, oui. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc en effet, c'est un film vintage où les acteurs tapent sur une machine à écrire. Bon, le scénario n'a pas été écrit à la machine. J'aurais dû, pour rester cohérent avec tout le principe de la narration du film. Voilà, ouais, c'est à peu près ça que je voyais. Puis même si tu vois, si je veux avoir les caractères, on est pas mal gros, là déjà. Quand je vais, ouais, je vais zoomer dessus, ça on va est être. Déjà pas mal, là. Il y a ce genre d'image dans Barton Fink et puis dans La Liste de Schindler. Voilà. Quand on vous dit que le cinéma c'est un art de tricheur. Voilà. Oui. Bah là, oui. Là, bah là, c'est ça, c'est l'idée que j'avais. Ça. Ah d'accord. Ok. Voilà. Ça c'est vraiment. Et tu vois, dès que tu bouges, t'as vu? Dès que tu bouges en hauteur, ça déplace la mise au point. C'est super. Ah ben c'est. Non mais ouais, c'est sûr. Hein. Bon Marc, là on est bien parce qu'on est plan. Hein. Là on est bon. Ok. Test. Macron. Non c'est bon. Hein. Le net est sur les lettres. Elles sont rouges. On va dire 20 cm. Alors, si on veut gagner un peu en profondeur de champ, au lieu de 8, on se met à 6. Avec aussi peu de distance, il est déjà hors focus. Oui, oui, oui c'est ça. Oui. Bah, oui, bien sûr. Ouais. C'est hallucinant. Et on peut fermer un peu. Là, on est exactement comme il faut, parce que ce que je voulais, c'est avoir quasiment que les caractères nets. Et ça m'ennuyait de me dire que j'allais être obligé de... D'accord. Mais tu vois, même les... Ah oui, je ne sais pas comment cool. On l'appelle, ça c'est flou. Et oui, c'est très bien. Sûr, ouais. Donc l'arrière-plan est net. Et on n'est pas tout à fait encore à la mise au point minimum. C'est bon, là c'est bon. Si ça vous gêne d'être non, c'est tapé, bon, moi j'ai d'autres macros où on se met là, plus où loin. Tu peux plus loin. Moi avoir la... Voilà, ah oui, là tu vois le détail des latins. Là je l'ai avec mon smartphone, tu ouais. Te rends compte. Oui, ouais. C'est l'idée. Quand on sera...
en cinémascope, en scope avec. Donc voilà le dispositif de prise de vue de la machine à écrire. Oui, avec des bouquins en dessous. Hein, voilà. Ben, on vous le disait, c'est un film d'amateur. Hein. Éclairé, mais d'amateur quand même. Mais nous en sommes très fiers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas assez sombre côté. Si tu veux vraiment du noir. Non, mais oui, mais ça, c'est à l'étalonnage. Ah, d'accord. Okay. Tu vois. Par contre, le noir du pull, il est bon. C'est à l'étalonnage là, que je l'aurai. Ça, c'est.